Bonsoir à tous, Madame, Monsieur. Au sommaire de cette édition du journal, un état des lieux des canalisations tout au long de la route Likasi. Les travaux de débouchage y sont effectués et de l'autre côté, le canal Lido se trouve dans un état très insalubre. Nous allons également parler sport. L'équipe du tout-puissant Mazembe Anglébert séjourne déjà au Maroc et cela en prévision de leur finale aller de la CAF prévue pour le 31 octobre prochain. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous à votre journal. À l'entrée de la ville, les travaux de débouchage et pose des dalles de canalisation sont effectués ce dernier jour. Cependant, l'on déplore le fait que quelques habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi continuent à jeter des déchets et ordures ménagères dans les canalisations. Un reportage de Sylvie Moussaou et Ben Kaimbe. Après leur construction, ces canalisations sont restées non couvertes pendant plusieurs jours, chose qui pourrait expliquer la présence des bouteilles en plastique et les sachets à ces endroits. Certaines personnes pointent du doigt les activités des tenanciers des boutiques et terrasses. Sur place, l'on peut même voir des ordures ménagères provenant de restaurants et autres maléwas. À certains endroits, l'eau stagne et n'écoule pas normalement, malgré la pose des dalles pour permettre le bon écoulement des eaux et leur entretien. L'on s'inquiète que les eaux usées ne soient pas bien dirigées. Visiblement, les dalles posées non loin du terminus Texaco risquent d'être endommagées si l'on n'y prend pas garde. Cependant, à d'autres endroits, l'on peut saluer l'initiative des ouvriers d'une entreprise de la place pour le débouchage, et cela d'une façon régulière. Le canal Lido qui traverse le quartier qui porte le même nom se trouve dans un état très insalubre. En plus des eaux usées, les matières non dégradables y sont déversées. En conséquence, cette grande canalisation devient un grand foyer de maladies. Suivez. Déversoir du lac Tchombe, le canal du quartier Lido en provenance du quartier Baudouin, était orienté jadis vers la rivière Lubumbashi via les usines Gécamines, où ces eaux étaient utilisées pour le traitement des différents minéraux. À ce jour, depuis que les eaux de cette grande canalisation ne sont plus utilisées par les usines Gécamines, le canal Lido n'est plus curé il y a plusieurs années. Seuls quelques ménages situés le long de ce canal s'organisent pour son curage. Les services de l'environnement censés organiser et exécuter l'assainissement de cette canalisation semblent déserter cette mission. Si rien ne fait, ce canal va une fois de plus être un germoir de plusieurs maladies, c'est notamment du paludisme et de la fièvre typhoïde. L'hôtel de ville de Lubumbashi devrait trouver une solution avant la tombée de fortes pluies qui sont enregistrées au mois de novembre et décembre pour épargner les riverains de plusieurs maladies observées pendant cette saison de pluie. Et au quartier premier de la commune Roissy, un canal pose problème, rempli d'ordures. C'est aussi à cet endroit que passe un tuyau qui alimente certains quartiers en eau. Un tuyau du reste perforé, l'évacuation régulière de ces ordures est vivement souhaitée. Linda Lukalou, Richard Chimba. Le canal Roissy, situé derrière l'école primaire Odari, est rempli d'immondices. Certains services d'assainissement de la ville sont pointés d'un doigt accusateur. Cet endroit censé évacuer les eaux se voit rempli d'ordures. Oui, canal. Zamani, il voit qu'à propre. Les gens sont de mauvaise foi. À l'époque, le canal était propre, mais pas actuellement parce que les habitants environnants y déversent les ordures. Et un tuyau de la régie des eaux perforées laisse couler les eaux. Selon les habitants du coin, son emplacement gêne de temps en temps les travaux de curage. Quand la régie plaçait ces tuyaux, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'on déverserait des immondices. Mais comme les gens le font actuellement, on demande à la régie de changer son tuyau d'emplacement. Ce tuyau alimente les ménages environnants en eau, les exposant ainsi aux maladies hydriques. Tout ce qu'on jette comme ordure empêche l'évacuation des eaux. Le souhait de la population est que cette tuyauterie soit rapidement remplacée.
Le passage à niveau de STVD au quartier Bongonga est dépourvu des barrières alors qu'il est fréquenté par le train au moins 3 fois la semaine. Cet axe s'est détérioré et la situation n'est pas du tout facile. La réhabilitation de ce passage à niveau est salutaire et il va falloir y placer des barrières. Un constat d'Edouard Konkou. Plusieurs années que le passage à niveau existe sur l'avenue du rond-point au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba. Ce point d'intersection entre la voie ferrée et l'artère accuse une détérioration sans précédent, alors qu'il est beaucoup fréquenté ces derniers temps. Cette avenue du rond-point est même utilisée parfois comme route secondaire par ceux qui veulent se rendre en ville ou au Bel Air. Ils ne sont pas obligés de passer nécessairement par la route Kafubu. À en croire les habitants du quartier Bongonga, cette voie ferrée est fréquentée par le train au moins 3 fois la semaine. Mais il faut signaler que c'est un passage à niveau dépourvu des barrières pour prendre des mesures nécessaires en cas du passage du train. Une situation qui présente tout de même un danger, vu que même les jeunes écoliers y ont accès. Bongonga est compté parmi les vastes quartiers de la commune de Kampemba. Et voilà pourquoi il est important d'y jeter un coup d'œil sur ces infrastructures routières et d'en prendre soin. Vous le savez, depuis quelques semaines, l'emploi congolais souffre de licenciements massifs. Cette situation vient s'ajouter à la problématique du chômage qui est déjà en deçà du seuil normal. Et l'on se demande qu'en est-il des critères lors de ces licenciements massifs et qu'en est-il de l'encadrement de tous ces ouvriers au chômage. Et les licenciements massifs ou congés techniques sont souvent momentanés. Les agents licenciés doivent recevoir de l'employeur un subside pour leur survie. Les explications de Léon Magloire-Mongam-Toilé. La chute des prix des métaux sur l'échiquier international a eu comme résultante sur le marché de l'emploi congolais le licenciement massif ou le renvoi des agents en congé technique. Mais la loi prévoit qu'avant de procéder à ce licenciement massif, l'employeur doit rédiger au ministre national en charge du travail et de la prévoyance sociale une lettre qui reprend les raisons détaillées de ce licenciement massif. Et après vérification sur le terrain, le ministre de tutelle peut ou n'est pas accepter cette proposition de l'employeur. Et généralement, au cas où c'est autorisé, l'entreprise est en droit de signifier aux agents qui doivent aller en congé technique le nombre de mois ou d'années qu'ils vont rester au chômage. En plus, la société doit remettre à ses agents un subside généralement forfaitaire qui leur permettra tant soit peu de tenir le coup. Et quant au choix des postes à supprimer lors d'un licenciement massif, tout dépend de l'employeur. Mais selon un expert dans le monde du travail, c'est souvent les postes non indispensables comme les départements des relations publiques, les départements du social et marketing, les employés des manœuvres qui sont les plus ciblés. Cependant, la garde industrielle, le service de maintenance et les postes de décision restent pour un service minimum en vue de maintenir l'ossature de l'entreprise. Et au cas où l'entreprise doit reprendre ses activités après un temps donné, les agents qui étaient envoyés en congé technique seront privilégiés pour regagner l'entreprise. Dans le cas contraire, l'employeur leur donnera un décompte final avec des pénalités. Et il y a eu prestation de serment des défenseurs judiciaires hier samedi. La cérémonie s'est déroulée au parquet des grandes instances de Lubumbashi. Et sachez que Maître Kitoko Mabusha était parmi les prestataires. Janine Boutchou, Jean Kalenga pour les détails. 2 ans après l'obtention de son diplôme de licence à la faculté des droits à l'université de Lubumbashi, Maître Kitoko Mabusha a prêté serment des défenseurs judiciaires samedi 24 octobre 2015. Aux côtés de ses collègues, ce jeune juriste a juré fidélité et loyauté dans l'exercice de sa profession. C'est le président du parquet des grandes instances qui a validé la prestation des serments. Au sortir de la salle, les membres des familles sont pressés pour congratuler le nouveau défenseur judiciaire qui était très ému. Mes ambitions sont tellement grandes. Je compte à apporter un plus. Après le parquet des grandes instances, le cortège s'est dirigé au domicile pour se réjouir, mais aussi pour le partage d'un repas.
Direction Bujimai, où la vente de bois et braise est l'une des activités du marché à Dioka. Mais les vendeurs ambulants des braises sont malvenus face aux vendeurs du marché. Jean-Marc Nkulu Kasongo et Félix Kasongo Kalombo depuis Bujimai. Voici le marché Dioka dans la commune de Bipemba, en Bujimai. C'est les grands centres des ventes des braises du coin qui est pris d'assaut dès le matin. Hommes, femmes et jeunes s'adonnent au commerce de la braise, même si le bénéfice n'est pas consistant. On a toujours qu'il y a toujours profiter à 1000 francs, soit 1500 à 500. Le conflit est régulier entre ceux qui vendent au marché d'Ioka et ceux ambulants, appelés dans les jargons du coin, libanais. Concrètement, vous expliquez, les Libanais vont en famille. Bon, la vie chama kala. 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 C'est donc ici le marché Dioka, un marché qui produit la majorité de la braise consommée dans différents foyers dans la ville de Mbujimai. Depuis Mbujimai, Jean-Marc Kasongo et Félix Kalombo pour Nyota, Radio et Télévision. On va parler religion. Les travaux de construction de trois nouvelles chapelles de la paroisse Saint-Esprit ont déjà démarré au quartier Kra et Kassapa, une initiative du père curé Léon Goé Kalumba avec les concours de ses paroissiens. Ce dimanche 25 octobre 2015, il a eu une messe en plein air au chantier du quartier Kra devant près de 500 fidèles. La chapelle Saint-François Xavier avant de visiter les chantiers des chapelles Saint-Joseph et Saint-François d'Assise. Léon Magloire Mongamtoali. La paroisse Saint-Esprit plus que déterminée à élargir l'espace de sa tente. Trois nouvelles chapelles sont en cours de construction. D'abord au quartier Kra, à côté du tunnel et de la station Snell, où une messe a même été célébrée en plein air ce dimanche 25 octobre à côté de la nouvelle bâtisse, encore à l'étape de la fondation. Et jusqu'ici, tous ces travaux évoluent avec les cotisations des membres des deux CEV opérant dans ce quartier. Peu après la messe, le père curé Léon Goé Kalumba a visité les deux autres chantiers de sa paroisse. D'abord celui de la chapelle Saint-Joseph, dont les murs sont déjà élevés. Ensuite la chapelle Saint-François d'Assise, toujours au quartier Kassapa, encore à l'étape embryonnaire. Alors on a pensé, après plusieurs réunions, débats, réflexions, que nous commencions trois chapelles. La première chapelle, là où nous avons célébré la messe aujourd'hui, la chapelle dans la CV Saint-François Xavier et Christ Roi. Nous y célébrons déjà deux dimanches par mois et les fondations ont commencé. Il y a la chapelle Saint-Joseph, les murs sont déjà montés, on est presque à 2 mètres des murs. Et maintenant ici, la cellule Saint-François d'Assise. Nous sommes en train d'acquérir ce terrain. Et voilà les chantiers, les grands chantiers que nous avons. À l'église même, nous allons le voir. L'église Saint-Esprit est finie. Un rappel, ce même curé avait initié les travaux de la nouvelle paroisse Saint-Esprit, dont le coût s'est élevé à plus de 500 000 dollars américains. Travaux réalisés grâce aussi à l'apport considérable du couple Katumbi, qui a donné à lui seul plus de 350 000 dollars américains. Et actuellement, l'heure est à l'implantation de la tour des cloches et ces travaux nécessitent 9 000 dollars américains, attendus des personnes de bon cœur. Et en sport, les Anglais Bertois du tout-puissant Mazembe Anglais Ber sont déjà au Maroc. Ici, ils préparent la finale aller de la CAF Orange prévue le 31 octobre. Un reportage d'Héritier Indoula. Composé d'une quarantaine de personnes, dont 24 joueurs, la délégation du TP Mazembe en route pour Alger, où l'équipe va jouer la finale aller de la Ligue des Champions le 31 octobre contre les Algérois de l'USMA, a quitté Lubumbashi ce samedi soir par l'aéroport international de la Loano.
conduite par son manager général Frédéric Kintenge Kimkumba et le premier vice-président Mohamed Kamwanya à bord du MD-83 de Mazembe. Cette délégation est arrivée ce dimanche matin à Marrakech après 8 heures de vol, où l'équipe sera en mini-stage de 5 jours avant d'effectuer son entrée en Algérie. Les hommes de Patrice Carteron, Roger Assalé, Bwana Ali Samantha, Renfoud Kalaba veulent emboîter les pas à Robert Kidiaba pour rééditer l'exploit. Arrivé depuis ce dimanche matin, le Badianguena ont érigé leur quartier général derrière moi ici à l'hôtel du Golf. Pendant 5 jours, les hommes de Patrice Carteron avec son staff et l'ensemble des joueurs au mieux de leur forme vont se concentrer pour multiplier des stratégies avant d'aller jouer la finale aller à Alger le samedi 31 octobre prochain contre les Algérois de l'USMA. Depuis la ville touristique de Marrakech, Alain Salou, Eric Manoka pour Digital Congo et Nyota Radio Télévision. Voilà, vous avez reconnu là, Alain Salou depuis Maroc. On va toujours parler sport. Lina Foot, 7e journée, groupe Centre-Sud. Les FC Saint-Éloi à Loupopo a battu ce dimanche le Lubumbashi Sport par la note de 2 buts à 0, dont une réalisation de Kalash. Un résumé signé Guillaume Kazadi, Meshak AMB et Alex Chunga. Le Lubumbashi Sport Saint-Éloi-Loupopo, c'était un match entre le 7e et le 6e au classement dans ce groupe Centre-Sud. Du coup, il fallait gagner pour remonter avant les deux dernières journées de cette manche aller. Juste après le quart d'heure, Loupopo obtient ce corner exécuté par Jérémy Mumbere. À la réception, Kalasa qui revient dans le 11 de départ, il bat le gardien Daniel Moutinou d'une retournée. Dans sa réalisation, le geste est admirable. Les rares tentatives de Lubumbashi Sport ont buté sur la défense jaune, conduite par le puissant Mampouya. 75e minute, Mugalo Mutimba déborde sur le côté gauche. Son centre trouve la tête de Makambo, qui bat Daniel Moutinenu en retard sur cette sortie. Avec cette victoire de 2 buts à 0, Loupopo reste tout de même 6e au classement, mais avec 8 points désormais, juste derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et avant de nous quitter, le résumé de l'actualité a marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans cette semaine en bref de Maurice Mazel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la semaine en bref allant du 19 au 25 octobre 2015. Plusieurs mètres cubes d'eau gaspillés suite à la fuite d'eau survenue sur la vanne de la tuyauterie de la régie des eaux, non loin de l'arrêt de bus Machipicha dans la commune de Lubumbashi. Conséquence, plusieurs ménages des alentours ne savent plus s'approvisionner en eau potable. Quelques ouvriers sont à pied d'œuvre pour maîtriser la fuite d'eau. Les automobilistes qui fréquentent habituellement l'angle des avenues Kimbangu et industrielles s'inquiètent au plus haut point de la présence d'un grand trou au beau milieu de la route. La présence de la crevasse est une menace qui peut à la longue provoquer un accident de circulation. Le gouverneur ad intérim de la province Guibert-Paul Yav-Tchibal effectue la visite d'inspection dans l'enceinte de l'hôpital Janson-Sendoué. Sur place, les ouvriers sont en train de réhabiliter de fond en comble cette institution hospitalière. L'autorité provinciale a pris la résolution de faire le suivi pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Selon le maître d'ouvrage, la durée des travaux est estimée à 16 mois de dur labeur. La route provinciale 617 qui relie Luambo et Mitouaba puis à Manono est en pleine réhabilitation. La voie est stabilisée à la latérite. Actuellement,
21 km de route sont déjà praticables. Pour s'en rendre compte, Fridolin Kasuchi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a inspecté le tronçon. Devant quelques feux de signalisation de Lubumbashi, il y a les marques routières qui sont encore visibles. Malheureusement, la plupart des automobilistes stationnent sur les marques routières. Les piétons perdent ainsi le repère par où ils doivent traverser la chaussée. Le musée national de Lubumbashi abrite les activités en rapport avec la journée de l'habitat et la journée internationale de l'architecte. À travers cette manifestation, la Société de l'architecte de la République démocratique du Congo tient à sensibiliser la population sur le fait que l'environnement est l'affaire de tout le monde. Les orateurs se sont succédés pour expliquer l'importance et le rôle de l'architecte dans le développement. Mesdames, Messieurs, ce sont là les faits saillants qui ont meublé la semaine en bref. Merci de l'avoir suivi. Voilà, ce sera tout pour ce journal qui retenait au sommaire cet état des lieux des canalisations tout au long de la route Likasi. Les travaux des débouchages y sont effectués et de l'autre côté, le canal Lido se trouve dans un état très insalubre. Nous avons également parlé sport. L'équipe du tout-puissant Mazembe Anglais-Bert séjourne déjà au Maroc et cela en prévision de leur finale aller de la CAF prévue pour le 31 octobre prochain. Merci à vous de d'avoir suivi. Retrouvé à 23h. Patricia Nice-Mokabia pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision. Moi, je reviens demain à partir des 9h. Très bonne suite de programme sur nos antennes.